Comment on allume la Hanouka? On allume la Hanouka, toujours, on a la Hanouka en face, on commence par la droite. Comprends pas? Hanouka, une fête aussi importante. Donc tu commences, oui, par la droite, mais c'est un seul soir que tu commences par la droite. Tout le reste, tu commences par la gauche. En fin de compte, c'est fou. Donc Davka, toutes les mitzvot de la Torah, tu commences par la droite. Et l'autre, tu fais par la gauche. C'est quoi le lien? L'ancienne bougie, c'est l'acquis. En vérité, je suis prêt à abandonner ma règle de toujours commencer par la droite uniquement parce que je veux faire du nouveau tous les soirs. Et en vérité, ça, c'est le vrai force de Hanouka. Le contraire du laisser aller, c'est toujours aller de l'avant, toujours faire quelque chose de nouveau, tout le jour aller chercher un plus grand rapprochement à HM. Tous les soirs, ils passent, ils nous illuminent la rue avec les Hanoukiot sur le toit de la voiture. On est ici, on fait un match, on fait une belle mitzvah, on espère les revoir très 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 vite. Ils sont forts ces Chabad, ils sont forts. On les aime. C'est magnifique, ils viennent tous les années. Hazaï de Chabad. Bon, Hachem, toujours dans la joie. Grâce à Dieu, ça apporte que des bonnes nouvelles à tout le monde. Que ça aide encore plus de gens. Ce qu'ils font, c'est merveilleux. Faire des mitzvahs à tout le monde. Ils continuent comme ça. On n'est jamais la couronne. Peut-être qu'on a croisé un juif dans l'escalier. Un juif nous a entendu, ça l'a réveillé. C'est la meilleure fête de l'année, c'est la fête de la lumière. On a fait la couronne, plein de jeux, c'était trop bien. On a escaladé sur des murs avec de la croix-branche. C'est une excellente journée. On avance. On a joué au football. J'ai fait de l'escalade. Israël, c'est trop bien. J'adore Israël. Je remercie aussi Luc et Israël.